Chantique Family, on espère que vous allez tous très bien. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite de notre rencontre, donc partie de la craque. Oui les amis, venez prendre les cours, abonnez-vous. Ouais, c'est ça. N'importe quoi, là. Abonnez-vous et venez prendre les cours. Mais non, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour conquérir le cœur de cette charmante demoiselle. On se retrouve juste après. Donc les amis, j'étais en train de dire dernièrement dans notre première partie que quand ils sont rentrés dans la salle, il y a eu quoi? Derrière mon qui? J'ai ressenti la chair de poule. Moi, arrête d'exagérer, ça c'est quoi? Mais oui, quand j'arrive, je me mets debout. Il y avait une charmante femme assise seule. Elle me lorgne. Qui te lorgne? On se lorgne. Ah non, non, ne se lorgne pas. On se lorgne. Qui se lorgne? On se lorgne. Moi, elle me regarde. Toi, tu me guettais depuis. Tu savais comment pour que moi, je te guettais. Le problème, c'est que moi, quand je te guette, toi aussi, tu me guettes. Quand je regarde, tu tournes le visage. Arrête de mentir. Déjà, quand tu arrivais dans la salle de classe, moi, j'étais déjà assise, donc j'étais vu arriver. Mais alors, à quel moment, moi, je vais te guetter ou bien je vais te lorgner? Les amis, elle me lorgnait. Quand je regarde un peu comme ça, là, elle tourne. Quand j'arrive, les amis, j'avais mon ami. Mais les internautes savent, les abonnés savent que toi tu me lorgnais. Les abonnés savent. Et donc, les amis, j'avais mon ami. Qui avait déjà pris deux places pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. Et comme ça, j'ai dit au frangin, mets d'abord le sable, on ne sait jamais. Je tente ma chance, mets d'abord le sable, là où tu as réservé, là on ne sait jamais. Si on me récale, je reviens. Peut-être que maintenant, après de chercher la place, je sais au moins que j'ai une place quelque part. Et donc, du coup, j'arrive, je vois la charmante demoiselle, je dis, s'il te plaît, est-ce que je peux m'asseoir à tes côtés? Elle n'a même pas bougé. Oui, tu peux venir t'asseoir. Ah, elle m'a dit, oh, ça c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais aller m'asseoir. Mais tu voulais que je boude pourquoi? Oh, c'est le début de l'année, on fait connaissance, il y a quelqu'un qui veut s'asseoir et tout. Je vais bouder pourquoi? Je vais aller m'asseoir comme un prince. Et on a commencé à échanger. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Tom. Et toi tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Tom. Mbaba, c'est ton fond là. Et après je me suis présenté. Bavardage de ça. Je me suis présenté comme chef de classe. Ah bon, c'est toi le chef de classe? Il dit, oh, mais arrête de faire semblant d'être pris là-bas. Tu as vu que tout le monde est le chef de classe. Mais n'importe quoi, tu ne savais pas que c'était toi le chef de classe. Bon, après on a échangé. Mais sauf que quand je commence à aborder la petite sur l'aspect sentimental. Attends, pendant qu'on y est, tu as commencé à aborder l'aspect sentimental dès le premier jour ou le deuxième jour? Dès le premier jour, quand j'ai dit ma soeur, je t'ai dit, est-ce que tu sais que tu es très belle? Tu m'as dit oui, merci. Attends, mais non, oui, merci. Mais tu étais toute timide et toute mignonne et tout. Oui, merci. Et après, j'ai voulu avancer un peu les pions, je lui posais la question, est-ce que tu as un cœur à prendre? Non, sur ce point-là, mais t'avances sur ce point-là, hein? Mais t'as un bon français, hein? Le gros France, ne t'avance pas sur cette erreur parce que moi cette année j'ai décidé d'avoir un ami garçon, c'est pourquoi j'ai accepté que tu aies t'asseoir avec. Voilà, ben ouais, mais j'avais décidé d'avoir un ami garçon, vous savez, à friendzoner et tout. Et lui il était déjà dans le collimateur en fait, parce que le mec dès le premier cours, il me guettait, il me lorgnait, il me lançait les regards, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de... Oh, la preuve, on est que c'est toi qui étais là où tu étais pour venir me parler. Donc, il n'y a pas de... Et tu es aussi venu t'asseoir devant, c'est comme que tu disais, quand il rentre, tu dois savoir que je suis là. Mais n'importe quoi. Même si j'étais au fond, tu allais me chercher. Et donc, du coup, quand elle me dit que non, elle cherchait
Un bon petit. Eh bien, c'était toi. Un bon pote. Dès qu'il était vu comme ça, il était mis dans le panier. Il était dit ça. Il était après, ça, là. Mais non, mais après, moi, j'ai dit clairement, j'ai été clair. J'ai dit, vous étiez le Mabel, j'étais le Mabel, que être ton ami va être une souffrance. Je ne préfère pas être ton ami. Parce que moi. Être ton ami va être une souffrance. Mais parce qu'être ton ami, je vais être hypocrite. Je ne veux pas m'inscrire dans la friend zone. Je ne veux pas être ton ami. Parce que tu me plais et j'aimerais mieux te connaître. Elle aussi, non, mais je suis désolée. Je dis, ok, bon. Mais vous savez, quand une femme te dit ça, quand tu es intéressé, les hommes, quand tu es intéressé, qu'une femme te dit, je veux juste que tu sois mon ami. Au départ, creuse encore un peu. Au départ. C'est juste pour faire genre. Bon, dans certaines situations, c'est juste pour faire genre. Mais oui, mais je savais que c'était juste pour dans faire. Dans d'autres, genre. Franchement, quand une meuf ne veut pas de toi, ouais. Là, quand elle te dit que je veux juste que tu sois mon ami, elle te le montre clairement. Oui. Et quand elle te dit aussi que je veux juste que tu sois mon ami, et puis il y a une petite brèche un peu ouverte, oui, on est entre nous, nous-mêmes, on connaît. Quand c'est bon, on connaît. Quand c'est pas aussi bon, on connaît. C'est ça qu'elle dit souvent. Et donc, Léa. Oh, je suis sortie avec mon gars là, je ne savais pas qu'il avait une go menteuse. Et donc. Oh, j'étais avec mon gars là, je ne savais pas que c'était un bordel. You mentais. Et donc, les amis, moi, j'ai quand même accepté. J'ai dit, bon, je veux quand même accepter d'être ton ami. Mais j'ai quand même accepté de faire partie de ton cercle. Mais je préfère garder mon statut de dragueur. Je ne veux pas être ton ami. Est-ce que tu arrives vraiment au statut là? Vu que vous venez de raconter des histoires. Après, je viens de raconter des histoires de dragueur. Tout le temps. Ça me choquait, les amis. Parfois, on parle. Je me lance sur un terrain. Je commence genre. Ma douée, la petite. Je sens que là, ça va savoir. Après, bam, elle me balance. Elle me dit, tiens, la dernière fois, quand c'est parti. La gueule, là, tu m'as dit. Mais comment tu peux me dire des trucs comme ça? Tu vois maintenant moi aussi le visage commence à changer. Je transpire de l'intérieur. Mais tu me le montrais pas en fait. Je suis là, je dis, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Mais après de fil en aiguille, ça s'est passé comment? Je pense que dès le premier jour, on s'était échangé de numéro. Oui, après je t'ai dit non, est-ce que tu me passes ton numéro? Après tu as pris. Quand je t'ai communiqué tout mon numéro, ça a apparu au professeur. Sur son téléphone. Non mais. Tu as le numéro du prof. J'ai pris un numéro au tableau là-bas. J'ai dit non, c'est mon numéro, c'est moi le chef des classes. C'est lui le chef des classes. Ah, moi j'ai écrit le prof, je croyais que c'est le prof. J'ai dit ben non, c'est mon numéro. Et donc comme ça, on a commencé à échanger. Du coup, de fil en aiguille, notre relation s'est plus fait, on va dire, de manière constructive. Parce qu'on n'est pas, il n'est pas juste resté sur une drague en mode, je sais pas. En mode, voilà, quand vous voyez une meuf sur la rue, vous draguez juste là. Non, je pense que lui, il s'est plus apaisanté, on va dire, sur les messages, sur les appels. On discutait beaucoup. De 21h jusqu'à 4h du matin, ouais. Sachant que le lendemain matin, on doit aller au cours. Et sachant que dans ces discussions-là, c'est-à-dire que c'est au cours de ces discussions-là qu'on se disait un peu tout de notre personnalité, de ce qu'on aimerait, mais là c'était encore au mot de pote, vous voyez un peu, mais vous voyez les potes ambiguës là. Et chaque récréation, on partait manger ensemble. On faisait tout ensemble. Vous voyez, c'était vraiment quand t'es avec ta copine, comme ça qu'on faisait tout ensemble. Et du coup, le matin quand tu te réveilles, le premier message que tu attends, le premier message que moi j'attendais, c'était son message. Puis, la nuit avant de dormir, c'était avec lui que je parlais. On se faisait même les crises comme si on était un vrai couple. Quand une personne ne recevait pas le message, c'était les crises, c'était le malheur. Surtout lui, amour, tu m'as dit que... Je t'ai dit quoi? Lui, des fois, quand il attendait les messages et qu'il recevait les messages d'une autre petite, il ça m'énervait. Ça m'énervait, il dit, mais comment ça, c'est la gola qui m'écrit pendant que moi j'attends le vrai message. Les amis, ça vous arrive souvent parfois. Tu kiffes une personne, tu discutes avec une personne. Depuis un moment, la personne ne t'écrit pas. Tu gagnes ton téléphone, la personne ne t'écrit pas. Mais après, c'est un faux mouvement qui t'envoie le message. Le message qu'il te demande même là, c'est pour de l'argent. Ça énerve. My God. Et donc, du coup, ça m'énervait. Et puis, on avait kiffé. On parlait beaucoup. Franchement, ça s'est fait progressivement. On a appris à se connaître. Et voilà quoi. Et ce qui fait que là, souvent vous êtes raconté prochainement.
parce que la suite va vous être racontée prochainement, les amis. Donc, likez, partagez la vidéo et surtout commentez, les amis. Venez vous abonner massivement. Nous sommes bientôt à 2000 abonnés. Allons-y, allons-y toucher la barre des 100 000 abonnés et on fera des grandes choses. Des 10 000 d'abord. 100 000. Allez, on fera des grandes choses ensemble. Et bisous.